Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne chrétienne Réveil TV. Vous êtes en direct sur votre émission Retour à la Parole. C'est toujours une grâce, vous savez, c'est une grâce, on ne peut cesser de le dire, vraiment de bénir notre Seigneur, de nous accorder, n'est-ce pas, le temps de passer, n'est-ce pas, des merveilleux moments ensemble dans sa présence, n'est-ce pas, en partageant la parole, les temps d'édification, les temps d'encouragement, les temps où le Seigneur ôte les écailles de nos yeux. Nous bénissons, n'est-ce pas, notre papa chéri, notre papa d'amour pour sa fidélité. Alors, frères et sœurs, vous qui êtes connectés, déjà soyez encouragés. Et puis, nous pensons que le Seigneur, n'est-ce pas, au travers de ces émissions, vous fait beaucoup de bien, que beaucoup, n'est-ce pas, sont bénis, beaucoup sont encouragés. Alors, comme notre Seigneur est fidèle, donc nous aussi, n'est-ce pas, nous nous efforçons, tant que faire se peut, à être ponctuels, à être fidèles, au-delà des manquements que nous avons tous, à toujours être, à répondre présent, n'est-ce pas, encourager les frères, à partager la parole, et voilà quoi, que le nom de notre merveilleux Seigneur soit béni. Et sans plus tarder, on va présenter les moments entre les mains du Seigneur, comme d'habitude, afin que son esprit, n'est-ce pas, prenne le contrôle, que la chair se taise. Et vous savez, quand c'est lui seul qui prend le contrôle, alors la parole a davantage, n'est-ce pas, d'impact, la parole, n'est-ce pas, est libérée avec vie, et c'est cette vie-là, n'est-ce pas, qui transforme les cœurs, c'est cette vie-là qui transforme les vies. Voilà, et puis que son nom soit béni. Papa Adonai, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci Papa pour ces temps de partage. Seigneur, je crois que ce soir, tu vas encore, Père, nous parler, parce que tu as toujours quelque chose pour tes enfants. Tu as toujours quelque chose à dire pour tes enfants. Tu es un merveilleux papa, un père qui n'abandonne jamais ses enfants, un père qui a toujours et qui reste toujours à côté des enfants, peu importe les temps, peu importe les difficultés, tu es là. Seigneur, merci, enseigne-nous, parle à nos cœurs, Seigneur, viens ôter le voile et amène-nous, Seigneur, davantage, Père, à saisir quelle est ta volonté et qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends de nous, n'est-ce pas, dans ces temps de la fin, au nom de Yahushua, amen. Alors, ce soir, n'est-ce pas, on va parler, n'est-ce pas, d'un thème assez profond et un thème qui est capital. Parce que vraiment, nous vivons, n'est-ce pas, dans un monde où les choses vont de mal en pire. Et on va parler du cœur, voilà. Je crois que les frères de la régie, n'est-ce pas, vont afficher le thème, n'est-ce pas, voilà. Les secrets enfouis du cœur, voilà. Et les secrets enfouis du cœur, voyez un peu, parfois, n'est-ce pas, dans les cœurs de beaucoup de personnes, n'est-ce pas, il y a des choses qui sont enfouies. Et beaucoup, n'est-ce pas, marchent avec des fardeaux pesants, avec des choses, avec des fardeaux, n'est-ce pas, dans leur cœur. Des choses, n'est-ce pas, que ces personnes ont du mal à confesser, que ces personnes ont du mal, n'est-ce pas, à exposer. Et ces choses, n'est-ce pas, constituent des fardeaux pesants. Et le monde dans lequel nous sommes, n'est-ce pas, est tellement rempli de méchanceté, est tellement rempli d'injustice, est tellement rempli d'incohérence que beaucoup, n'est-ce pas, il suffit seulement d'être dans une situation de faiblesse, alors tu n'es pas à l'abri des gourous, tu n'es pas à l'abri des tyrans. Vous voyez, on vit dans un monde où les plus forts, n'est-ce pas, dominent sur les plus faibles. Vous voyez, et la force là, n'est-ce pas, peut s'exprimer sur beaucoup de choses, dans beaucoup d'aspects. L'aspect financier, sur l'aspect juridique, ainsi de suite. Vous voyez un peu, ça veut dire que tous ceux qui ont le pouvoir, n'est-ce pas, prennent la peine, n'est-ce pas, de dominer sur les autres. Et cette domination-là, n'est-ce pas, laisse parfois des marques assez compliquées dans les cœurs. Et ces marques-là, n'est-ce pas, peuvent, au bout d'un moment, n'est-ce pas, constituer des fardeaux pesants, peuvent constituer, n'est-ce pas, des blocages qui nous empêchent réellement d'avancer avec le Seigneur. Et sans plus tarder, n'est-ce pas, nous allons commencer on va prendre un passage, n'est-ce pas, dans Luc au chapitre 2. Voilà, Luc chapitre 2, on va lire à partir du verset 25. Voilà, Luc chapitre 2, à partir du verset 25. Voilà, je crois que les frères de la régie vont nous afficher le passage sur l'écran. Gloire à Yahweh. Alors, il est écrit dans Luc 2, à partir du verset 25. On va lire jusqu'au verset 35. Alors, la Bible dit, « Et voici, il y avait à Yerushalayim un homme appelé Shimon. Et cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et le Saint-Esprit était sur lui.
Et il avait été averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne verra pas la mort avant d'avoir vu le Mashiach du Seigneur. Et il vint dans le temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient dans le temple l'enfant Yehoshua pour accomplir à son égard ce que ordonnait la Torah, verset 28, il le prit dans ses bras et bénit Elohim et dit, « Maître, tu laisses maintenant ton esclave s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Et mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé face à tous les peuples, la lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple d'Israël. » Et Yosef et sa femme étaient dans l'admiration des choses qui étaient dites de lui. Shimon les bénit et dit à Myriam, sa mère, « Voici, celui-ci est établi pour la chute et pour la résurrection de beaucoup en Israël, et pour être un signe qui provoquera la contradiction. » Ici, la Bible nous dit que l'arrivée d'Yoshua aussi, n'est-ce pas, devait apporter quoi? La chute, n'est-ce pas, et le relèvement, quand on parle de la résurrection, ceci, le relèvement, n'est-ce pas, de beaucoup en Israël, et ça allait provoquer quoi? La contradiction. Au verset 35, il est écrit, « Et toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées sortant de beaucoup de cœurs soient découvertes. » Donc, Yoshua aussi, n'est-ce pas, sa venue avait aussi pour but, n'est-ce pas, de révéler, n'est-ce pas, les choses qui étaient enfouies dans les cœurs. Vous savez, parfois, n'est-ce pas, on peut voir l'homme de face. On peut voir l'homme, n'est-ce pas, on peut entendre l'homme parler, n'est-ce pas, sortir des propos, sortir des paroles. Mais entre ce que l'homme dit, n'est-ce pas, sort de sa bouche, n'est-ce pas, et ce qui est dans son cœur, frère, il peut avoir, n'est-ce pas, une différence. Il peut avoir un fossé. Le plus souvent, n'est-ce pas, ce que les hommes sortent dans leur bouche, ce que les gens parlent, n'est-ce pas, ne reflète pas l'état de leur cœur. Il y a des choses, n'est-ce pas, qui sont tellement enfouies dans les cœurs qu'il n'y a que le Seigneur seul qui est capable de pouvoir révéler ce qui est caché. Or, pour nous les humains, il est impossible de pouvoir, n'est-ce pas, savoir quel est l'état de celui ou celle qui est à nos côtés. Ce n'est pas possible. C'est des choses qui sont enfouies en nous. Le cœur de l'homme, n'est-ce pas, était un mystère, n'est-ce pas, pour l'homme. Vous voyez un peu? Oui, quand on a des hommes, n'est-ce pas, qui sont devant nous, frères, peu importe des actes que ces personnes-là peuvent poser, on ne sait pas réellement si, n'est-ce pas, ces actes que ces personnes-là posent, n'est-ce pas, sont en accord avec l'état de leur cœur. Oui, le plus souvent, n'est-ce pas, ce n'est pas le cas. Parce que nous vivons, n'est-ce pas, au milieu d'un monde hypocrite. On vit dans un monde injuste. On vit dans un monde, n'est-ce pas, où le mensonge, n'est-ce pas, bat son comble. Où les gens sont de plus en plus faux. Ouais, ouais un peu. Ouais, et la Bible, n'est-ce pas, nous révèle que dans ces temps de la fin, n'est-ce pas, alors c'est une attitude qui va davantage animer beaucoup de personnes. Où les gens, n'est-ce pas, auront l'apparence de la piété. Ouais, un peu. Ils vont donner une image, n'est-ce pas, mais qui ne reflète pas réellement l'état de leur cœur. Ouais, et la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 17, nous allons lire Jérémie chapitre 17. Ouais, Jérémie chapitre 17, on va lire à partir du verset 5 au verset 9. Gloire à Yahweh, Jérémie chapitre 17, versets 5 à 9. Ok. Alors, ainsi parle Yahweh, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Vous voyez, Adonai va nous dire, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme, qui fait de la chair sa force et dont le cœur se détourne de Yahweh. La Bible dit que malheur à l'homme, n'est-ce pas, qui met sa confiance dans l'homme, va continuer verset 6, il dit, car il sera comme un arbre dépouillé dans la région aride et il ne verra pas venir le bonheur. Mais il habitera dans des lieux brûlés du désert, dans une terre salée et inhabitable. Verset 7, béni soit l'homme qui se confie en Yahweh et dont Yahweh est l'espérance.
La Bible nous demande de nous confier à Yahweh, n'est-ce pas, et non pas aux hommes. Parce que l'homme, n'est-ce pas, en te confiant en lui, au bout d'un moment, n'est-ce pas, peut changer de position. C'est que la personne vers qui tu vas, n'est-ce pas, peut même être la cause de ton malheur, peut même être, n'est-ce pas, l'origine, n'est-ce pas, du mal que tu es en train de vivre. Mais comme toi, n'est-ce pas, tu ne réalises pas, tu peux aller encore vers cette personne-là, te confier, n'est-ce pas, et en te confiant, n'est-ce pas, à cette personne-là, mais tu ne te rends pas compte que tu es en train de t'enfoncer de plus en plus. Voyez un peu, les frères de la régie, si vous pouvez mettre... ok, merci. Alors, béni soit l'homme qui se confie en Yahweh, verset 7, et dont Yahweh est l'espérance, car il sera comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines le long d'une eau courante. Quand la chaleur viendra, il ne s'en apercevra pas, et sa feuille restera verte. Il ne sera pas en peine dans l'année de la sécheresse et nécessitera de porter du fruit. Verset 9, le cœur est trompeur plus que tout. La Bible dit que le cœur de l'homme est trompeur plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, Yahweh, je sonde le cœur, j'éprouve les reins pour rendre à chacun selon sa voie, selon le fruit de ses actions. Alléluia. Alors la Bible nous dit, n'est-ce pas, que le cœur de l'homme est trompeur et il est incurable. Donc c'est un mal incurable et qui peut le connaître? Personne ne peut le connaître. Ça veut dire que nous en tant qu'humains, n'est-ce pas, il n'est pas possible, n'est-ce pas, de pouvoir discerner le cœur des personnes qui nous entourent. C'est pas possible. Oui, il n'y a que Adonai seul, n'est-ce pas, qui a la possibilité, parce que c'est lui, la Bible dit que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Donc c'est Yahweh qui peut nous révéler réellement l'état des cœurs des personnes, n'est-ce pas, qui sont à nos côtés, qui sont autour de nous. Oui, voilà pourquoi la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme, dans la chair. Ça veut dire qu'en mettant ta confiance dans l'homme, tôt ou tard, frère, sœur, tu risqueras un jour d'être surpris, d'être complètement, ça veut dire d'être étonné de te rendre compte que, mais les personnes à qui tu as accordé d'estime, les personnes à qui, n'est-ce pas, tu as accordé assez de temps, n'est-ce pas, ont fini, n'est-ce pas, un jour par participer à ta propre destruction. Ouais. Et la Bible nous dit plutôt, n'est-ce pas, de mettre notre confiance en Yahweh. Parce que Yahweh, en lui, nous avons l'assurance que nous sommes, n'est-ce pas, sous un abri sûr. Nous sommes, n'est-ce pas, dans les mains de quelqu'un qui ne pourra jamais nous abandonner. Nous sommes entre les mains, n'est-ce pas, de notre Seigneur qui ne nous délaissera pas, qui ne va jamais nous tromper, qui sera toujours vrai parce que telle est sa nature. Et beaucoup, n'est-ce pas, dans ces temps de la fin, ont de moins en moins de communion avec le Seigneur, ont de moins en moins une intimité avec le Seigneur. Les gens sont beaucoup plus ouverts aux hommes, ouais, un peu, que au Seigneur. Et c'est aussi l'une des chutes, l'un des malaises ou de malheurs que beaucoup, n'est-ce pas, dans ces temps de la fin rencontrent. Parce que beaucoup fuient Adonai et se rabattent vers les hommes. Et l'homme étant méchant, parce que par sa propre nature, l'homme est méchant. La Bible dit que le cœur de l'homme est méchant. Et d'ailleurs, dans psaume 64, verset 7, allez, si les frères de la régie peuvent nous mettre ce passage sur l'écran, psaume 64, verset 7, ensemble nous allons le lire. Voilà, ça dit quelque chose de fort, de fort. Voilà, Seigneur, merci pour ta parole. Dans psaume 64, verset 7, alors il est écrit, « Ils combinent des crimes, ils achèvent les complots qu'ils combinent, la pensée intérieure, on parle de la pensée intérieure. Le cœur de l'homme est insondable. Dans d'autres versions, le cœur de l'homme est un abîme, dont littéralement le séjour de mort. La Bible dit que le cœur de l'homme, n'est-ce pas, est comparé à l'abîme. Vous voyez? Il est insondable. On ne peut pas le connaître. Ça veut dire que l'homme parle des lèvres. Et ce qu'il confesse des lèvres, n'est-ce pas, ne coïncide pas avec ce qu'il a dans son cœur, ce qui est enfoui en lui. Et quand Yeshua arrive, on l'a lu tout à l'heure dans Luc 2, la Bible dit que l'une des missions, n'est-ce pas, du Seigneur était aussi, n'est-ce pas, de révéler les cœurs des hommes. Pourquoi? Parce que le monde, à son époque, à l'époque de Yeshua, était rempli d'hypocrites, était rempli d'impies, était rempli de méchants, des gens qui donnaient une apparence extérieure, n'est-ce pas, qui ne reflétaient pas réellement l'état de leur cœur. Et l'arrivée de Yeshua va éclater cette façon de faire. Yeshua va révéler, n'est-ce pas, les cœurs des gens. Et évidemment, c'était l'une des choses aussi, n'est-ce pas, qui poussait les pharisiens à vouloir le tuer. Parce que Yeshua mettait en évidence tout ce qui était enfui, tout ce qui était caché, n'est-ce pas, dans leur cœur. Vous voyez, lisons ensemble Marc au chapitre 7.
Marc chapitre 7, à partir du verset, on va lire à partir du verset 1 au verset 23, évangile de Marc au chapitre 7, voilà, du verset 1 au verset 23, gloire à Yahweh, voilà, la Bible dit, et les pharisiens et quelques scribes qui étaient venus de Jérusalem se rassemblèrent auprès de lui, et ayant vu que certains de ses disciples prennent leur repas avec les mains impures, c'est-à-dire non lavées, et ils les blâmèrent. Car les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas s'ils ne se sont pas lavés jusqu'au coude, retenant la tradition des anciens. Et autour de la place du marché, s'ils ne se sont pas baptisés, ils ne mangent pas. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues pour les retenir. Les lavages de coupes et des cruches et des vases en bronze et des lits. Alors, les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas, n'est-ce pas, selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains non lavées? Mais lui répondant, leur dit, Yeshaya a bien prophétisé sur vous, hypocrites, comme il est écrit, ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Mais c'est en vain qu'ils m'adorent en enseignant des doctrines qui sont des commandements humains. Car, laissant de côté le commandement d'Élohim, vous retenez les traditions des hommes, le lavage des cruches et des coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur dit aussi, vous rejetez bien le commandement d'Élohim afin de garder votre tradition. Car Moshe a dit, honore ton père et ta mère, celui qui maudit son père ou sa mère finit à la mort. Mais vous vous dites, à moins qu'un homme n'ait dit à son père ou à sa mère, tout ce dont tu pourras être assisté par moi est corban, c'est-à-dire offrande. Et vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou pour sa mère. Verset 13, annulant la parole d'Élohim par votre tradition que vous avez établie, et vous faites encore beaucoup d'autres choses semblables. Au verset 14, ayant appelé la foule, il leur dit, écoutez-vous tous et entendez, il n'y a rien d'extérieur à l'être humain qui puisse le rendre impur en entrant en lui. Mais ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui le rend impur. Vous voyez, Yeshua va dire ici, frère, vous pouvez garder le verset, s'il vous plaît, vous pouvez garder le verset sur l'écran, merci. Ouais, un peu. Il dit, il n'y a rien, n'est-ce pas, de ce qui est de l'extérieur qui souille l'homme. Ça veut dire que les pharisiens, n'est-ce pas, mettaient l'aspect sur des choses visibles. Vous voyez, se laver les mains avant de manger. Hein? Ils avaient toutes les traditions, n'est-ce pas, qu'ils avaient mis en place. Tout cela, n'est-ce pas, c'était parce qu'ils voulaient, n'est-ce pas, laisser une image auprès des gens, n'est-ce pas, qui les admiraient, qui les regardaient. Les gens qui fréquentaient, n'est-ce pas, leur synagogue, les gens qui fréquentaient, n'est-ce pas, leur bâtiment. Lorsqu'ils voyaient les pharisiens, n'est-ce pas, appliquer toutes ces choses, n'est-ce pas, ces personnes-là étaient impressionnées, vous voyez. Mais les cœurs de ces pharisiens-là n'étaient pas convertis, c'était des gens qui étaient remplis de méchanceté. Et quand Yeshua arrive, n'est-ce pas, c'est des choses qu'il va mettre en évidence, vous voyez. Il va dire au verset 14, il dit, et ayant appelé la foule, il leur dit, écoutez vous tous et entendez, il n'y a rien, n'est-ce pas, d'extérieur à l'être humain qui puisse le rendre impur en entrant en lui. Mais ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui le rend impur. Verset 16, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et quand il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parole. Et il leur dit, vous aussi, êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien d'extérieur, en entrant dans l'être humain, ne peut le rendre impur, parce qu'il n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, avant de s'en aller aux toilettes, qui purifie tous les aliments. Vous voyez, Yeshua va dire, ce n'est pas le fait, n'est-ce pas, de manger un aliment, ce n'est pas le fait, n'est-ce pas, de se laver les mains qui va te rendre impur. Vous savez, il y a des sectes, n'est-ce pas, comme le catholicisme romain, qui disent par exemple que le vendredi saint, on ne doit pas manger la viande. Ah, ceux qui mangent la viande, n'est-ce pas, ça va te rendre impur. Vous voyez un peu, ça c'est des mensonges. Tu peux manger la viande le vendredi, tu peux ne pas manger la viande le vendredi, mais si ton cœur est rempli de méchanceté, mais tu ne plais pas au Seigneur. Vous voyez, ça, ce sont des traditions, n'est-ce pas, établies par les hommes. Ouais, et Yeshua nous dit que
manger, n'est-ce pas, la viande un vendredi, ou bien manger sans se laver les mains, ça ne peut pas te rendre impur. Vois un peu? Voilà. C'est des choses, n'est-ce pas, qui rentrent dans le ventre et puis qui sortent par les lieux secrets. Ça va par les lieux secrets. Oui. Au verset 20, il leur dit, mais il leur disait, ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui rend l'être humain impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Vous voyez un peu, Yeshua ici va dire, c'est du dedans de l'homme. Ça veut dire que c'est dans le cœur de l'homme qu'il y a des choses qui sont enfouies. Or, le cœur de l'homme, n'est-ce pas, est un mystère pour l'être humain, pour l'homme. Vous voyez un peu, c'est qu'aucun homme ne peut connaître le cœur de son prochain. Ce n'est pas possible. Tu peux être entouré de personnes, n'est-ce pas? Des personnes qui vont te sortir les dents, qui vont constamment sourire avec toi, mais alors que réellement dans leur cœur, c'est des personnes qui ne sont pas en accord avec ce que tu fais. Ouais, et la Bible dit que, car c'est du dedans du cœur des humains que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les relations sexuelles illicites, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la tromperie, la luxure sans bride, l'œil méchant, le blasphème, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'être humain impur. Donc, Yeshua nous dit que ce qui nous rend impur, frère, merci pour le verset, merci pour les versets, frère. Alors, ce qui nous rend impur, n'est-ce pas, ce n'est pas de s'abstenir des aliments. Ce n'est pas le fait de manger sans se laver les mains. Non. La Bible nous dit que ce qui nous rend impur, c'est ce qui est caché, n'est-ce pas, dans notre cœur. Ouais. Et il y en a, n'est-ce pas, qui ont des cœurs qui sont chargés. Voyez pourquoi? Parce qu'il y a des péchés enfouis qui sont cachés par rapport aux situations que les personnes ont vécues, par rapport aux situations que les gens ont traversées. Ouais, les cœurs sont remplis de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, il y en a qui jouent des rôles. Il y en a qui partent dans les assemblées, voyez un peu, et pensant que c'est le fait d'aller en assemblée que réellement tu vas connaître une réelle transformation. Non, tu peux aller en assemblée, mais si tu ne laisses pas la parole du Seigneur, n'est-ce pas, transformer ton cœur, frère, même après 5 ans de fréquentation d'une assemblée, tu peux demeurer la même personne. Et beaucoup sont ainsi. Ça veut dire que les cœurs ne s'ouvrent pas à la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses en nous qu'on a du mal à laisser. Il y a des choses en nous, n'est-ce pas, que nous avons du mal à confesser, à laisser au Seigneur. Ouais, et de telles positions, n'est-ce pas, nous alourdissent. Ça nous empêche d'avoir une marche efficace avec le Seigneur. La Bible dit que le cœur de l'homme, n'est-ce pas, est un abîme. Ouais, qui peut le connaître? Ce n'est pas possible de le connaître. Il n'y a que le Seigneur. Alors voilà pourquoi, n'est-ce pas, le Seigneur, n'est-ce pas, permet à ce que l'évangile soit prêché, afin que la parole véritable, n'est-ce pas, apporte la lumière, parce que beaucoup de cœurs comme sont des prisons. Il y a des choses qui sont enfouies dedans, des gens, n'est-ce pas, qu'on peut voir, n'est-ce pas, dans les grandes voitures, on peut voir bien habillés, mais au bout d'un moment, tu les vois même sur le volant de leur voiture, ils sont en train de parler seuls. Mais tu te poses la question que, mais attends, mais lui, ce monsieur ou bien cette femme, elle a quel souci? Mais c'est parce que les cœurs sont chargés. Il y a des choses qui sont enfouies dans les cœurs. Les gens sont malades. Et Yeshua, dans ce temps de la fin, n'est-ce pas, a besoin de libérer, de guérir les cœurs. Mais à condition, n'est-ce pas, que l'homme, que nous-mêmes nous prenons la résolution, n'est-ce pas, de tout abandonner au Seigneur. Voilà pourquoi il dit, dans Matthieu, il dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Voyez, nous sommes fatigués, nous sommes chargés parce que nous avons été percutés, nous avons été touchés par des injustices, par des choses, n'est-ce pas, qu'on a subies, hein, venant des hommes, et ces choses-là nous ont affectés négativement. Vous voyez, et dans Genèse chapitre 31, à partir du verset 14, voyez, on va lire l'histoire, n'est-ce pas, de Jacob qui sortait, à qui le Seigneur Elohim avait demandé, n'est-ce pas, de sortir de Laban pour retourner à Bethel, de sortir de chez Laban, tant pour moi, pour retourner à Bethel. Oui, et en sortant de là, n'est-ce pas, il y a une situation, il y a quelque chose qui va se passer. Regardons un peu, regardons ensemble. Ouais, à partir du verset 14, la Bible dit, Rachel et Léa lui répondirent, avons-nous encore quelques portions et quelques héritages dans la maison de notre père? Ne nous a-t-il pas traités comme des étrangères? Car il nous a vendus et même il a mangé notre argent. Car toutes les richesses qu'Elohim a ôtées à notre père,
nous appartenait, ainsi qu'à nos enfants. Maintenant donc, tout ce que Elohim t'a dit, ainsi Jacob s'éleva. Maintenant donc, fais tout ce que Elohim t'a dit. Au verset 17, la Bible dit, ainsi Jacob s'éleva et fit monter ses enfants et ses femmes sur des chameaux. Il emmena tout son bétail et tous les biens qu'il avait acquis. Et tout ce qu'il possédait et qu'il avait acquis à Padam Aram pour aller vers Yitzhak, son père, au pays de Canaan. Or, comme Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba. Donc Rachel vola les téraphines de son père. Donc ça veut dire les dieux étrangers, les dieux païens que son père, n'est-ce pas, adorait. La Bible dit que Rachel va dérober, il va voler, n'est-ce pas, les téraphines de son père. Et Jacob trompa l'esprit de Laban, le Syrien, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il s'éleva, passa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galaad. Le troisième jour, on rapporta à Laban que Jacob s'était enfui. Alors, il prit avec lui ses frères et il le poursuivit 7 jours de marche et l'atteignit à la montagne de Galaad. Mais Elohim apparut à Laban, le Syrien, en rêve la nuit et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. Laban donc atteignit Jacob. Jacob avait dressé ses tentes sur la montagne. Laban dressa aussi les siennes avec ses frères sur la montagne de Galaad. Et Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Tu as trompé mon esprit. Tu as emmené mes filles comme des prisonnières de guerre. Pourquoi as-tu pris la fuite secrètement? M'as-tu trompé et ne m'as-tu pas averti? Car je t'aurais laissé partir avec joie et avec des chansons et au son des tambours et des harpes. Tu ne m'as pas laissé embrasser mes fils et mes filles. C'est ainsi que tu as agi. J'ai en main le pouvoir de vous faire du mal, mais l'Élohim de votre père m'a parlé la nuit passée et m'a dit, garde-toi de ne parler à Jacob ni en bien ni en mal. Verset 30, maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes Élohim? Jacob répondit et dit à Laban, c'est que j'avais peur, car je me disais que tu me prendrais peut-être tes filles. Mais celui chez qui tu trouveras tes Elohim ne vivra pas. Écoutez bien. Ici, Jacob va dire à Laban que si je me suis enfui, je m'étais enfui, c'est parce que j'avais peur que tu m'arraches tes enfants. Mais sache que celui à qui tu vas trouver le dieu païen que tu cherches là un peu, ce faux dieu là que tu cherches là, n'est-ce pas, doit mourir. Mais Jacob ne savait pas que sa femme, l'une de ses femmes, avait dérobé, n'est-ce pas, le dieu, n'est-ce pas, le téraphim de son père, le dieu païen, n'est-ce pas, que Laban adorait. Oui, frère, vous pouvez remettre le passage sur l'écran s'il vous plaît. Oui, et au verset 32, la Bible dit, mais celui qui tu trouveras tes Elohim ne vivra pas en présence de nos frères. Examine s'il y a chez toi quelque chose qui t'appartienne et prends-le. Or, Jacob ignorait que Rachel les avait dérobés. Voilà, la Bible dit que Jacob ne savait pas que sa femme Rachel les avait volés. Alors Laban entra dans la tente de Jacob et dans celle de Léa et dans la tente des deux servantes et il ne les trouva pas. Et étant sorti de la tente de Léa, il entra dans la tente de Rachel. Mais Rachel avait pris les téraphines et les avait mis dans le bas d'un chameau et s'était assise dessus. Laban palpa toute la tente et ne les trouva pas. Et elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche pas de ce que je ne puis me lever devant lui, car j'ai ce que les femmes ont coutume d'avoir. Il chercha et ne trouva pas les téraphines. Voyez un peu, elle va dire, n'est-ce pas,
à son père que si je ne me lève pas, c'est parce que je sais que les femmes ont pour habitude de voir. Donc littéralement, elle va mentir à son père qu'elle était, n'est-ce pas, en période d'indisposition, elle était indisposée. Vous voyez un peu? Donc elle va utiliser un mensonge. Pourquoi? Parce qu'elle était assise, n'est-ce pas, sur le téléfilm de son père. Elle cachait ce faux Dieu. On ne sait pas pourquoi, n'est-ce pas, elle a pris ce faux Dieu-là, n'est-ce pas, pour l'amener, n'est-ce pas, avec elle, vous voyez un peu, pendant qu'elle était avec son mari. Vous voyez? Donc, elle avait caché, elle connaissait que c'était elle qui avait volé, mais elle a dissimulé, elle a caché la vérité dans son cœur. Elle était assise, n'est-ce pas, sur ce faux Dieu. Vous voyez? Et il y a beaucoup, n'est-ce pas, qui sont comme ça. Ça veut dire qu'ils sont assis, il y a des gens qui sont assis sur des choses enfouies. Vous voyez? Paul nous dira que tout homme est esclave de ce qui triomphe de lui. Ça veut dire que si le péché qui est caché dans ton cœur, n'est-ce pas, tu as du mal à t'en défaire, ça veut dire que quelque part, tu deviens esclave. Vous voyez? Il y en a, n'est-ce pas, dans leur cœur qui cajole, n'est-ce pas, qui chuchote, n'est-ce pas, certaines choses, n'est-ce pas, qui constituent des poisons pour leur vie. Vous voyez? Rachel était assise, n'est-ce pas, sur ce faux Dieu. Et elle a dissimulé qu'elle était, n'est-ce pas, dans une période de maladie. Vous voyez un peu, elle dit, voilà, comme je suis en ce moment, n'est-ce pas, ce que les femmes ont pour habitude d'avoir. Vous voyez un peu, elle va utiliser un mensonge. Pourquoi? Parce qu'en elle, elle cachait, n'est-ce pas, la vérité qui était enfouie dans son cœur. C'est que c'était elle qui avait dérobé, n'est-ce pas, hein, le faux Dieu, le téléfilm que son père cherchait. Oui, et à la suite, n'est-ce pas, si vous lisez l'histoire, la Bible dit que Jacob, n'est-ce pas, va dire à Laban, pourquoi me veux-tu du mal? N'as-tu pas fouillé, n'est-ce pas? Et est-ce que tu as réellement retrouvé ce que tu cherchais? Pourquoi, n'est-ce pas, me cherches-tu des problèmes? Vous voyez un peu? Mais Jacob, pendant qu'il parlait comme ça, là, il ne savait pas que c'est sa propre femme, n'est-ce pas, qui avait volé. Alors, combien, n'est-ce pas, frère, comme pour dire qu'il y en a qui peuvent être avec vous, n'est-ce pas, qui peuvent marcher ensemble avec vous et faire des choses, n'est-ce pas, que vous ignorez. Oui, Jacob était avec sa femme, avec ses femmes, mais il ne savait pas que sa femme avait volé, n'est-ce pas, le dieu païen de son père, le dieu que son père adorait, le dieu que Laban adorait, il ne savait pas. Oui, il n'y avait que Rachel, n'est-ce pas, qui connaissait ce qui s'était passé. Et elle s'était assise dessus, ne voulant pas que, n'est-ce pas, son père, n'est-ce pas, puisse récupérer, voyez un peu, ou bien puisse retrouver, hein, le téléfilm qu'il recherchait. Oui, il y en a, n'est-ce pas, frère, qui cache des choses. Vous voyez, qui cachent des choses assez abominables, assez horribles, des choses terribles qui sont enfouies. Vous voyez, des cœurs deviennent comme des cachots de prison. Et beaucoup pensent que c'est en allant donner de l'argent dans les assemblées qu'on va quelque part soulager nos consciences, qu'on va quelque part, n'est-ce pas, soulager ou apaiser le cœur du Seigneur. Non, vous savez, il y a tous ces mécanismes que les gens mettent en place ne pourront pas, n'est-ce pas, échapper face au jugement du Seigneur. La Bible nous dit, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 10, verset 26, Matthieu chapitre 10, verset 26, voilà, les frères vont nous mettre ce passage sur l'écran, Matthieu chapitre 10, verset 26, voilà, gloire à Yahweh, voilà. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni rien de secret qui ne doit être connu. La Bible dit que rien de ce qui est caché, n'est-ce pas, tout ce qui est caché sera découvert. Il n'y a rien de ce qui est secret qui va demeurer secret. C'est qu'il arrivera un temps, n'est-ce pas, tout ce qui est enfoui dans les cœurs, n'est-ce pas, sera révélé. Vous voyez? Pourquoi Yeshua parle comme ça là? Parce qu'il savait que le cœur de l'homme, n'est-ce pas, est dangereux. Le cœur de l'homme, n'est-ce pas, est tortueux. Il est méchant. Il est très méchant. Et on va lire, n'est-ce pas, dans Jean au chapitre 8, verset 21. Évangile de Jean, chapitre 8, verset 21. Jean 8, 21, la Bible dit, alors Yeshua leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés, vous ne pouvez pas venir là où je vais. Vous voyez, Yeshua va dire, il s'en va, il partait et il dit, vous mourrez dans vos péchés. Pourquoi? Parce qu'en fait, Yeshua est venu, il a prêché l'évangile, mais les pharisiens et beaucoup d'autres personnes, n'est-ce pas, n'ont pas laissé la parole du Seigneur, n'est-ce pas, pénétrer dans leur cœur afin de produire réellement un véritable changement. Non, beaucoup sont restés faux. Vous voyez un peu? Alors, et c'est une attitude, n'est-ce pas, qui mine beaucoup, n'est-ce pas, dans les temps dans lesquels nous sommes.
voyez, beaucoup sont assis, n'est-ce pas, sur des faux dieux. Voyez un peu. Et les dieux là, quand je parle de dieux, ça veut dire des choses qui nous dominent, des choses qui ont pris, n'est-ce pas, la direction de nos vies, des choses que nous avons du mal, n'est-ce pas, à confesser. Il y en a aujourd'hui, n'est-ce pas, qui subissent, n'est-ce pas, des attouchements, parfois même. Voyez un peu, je me rappelle cette jeune fille qui m'avait dit que chaque fin du mois, à une période bien précise, pendant que sa petite soeur et elle, n'est-ce pas, sont en période de menstrue, leur papa vient avoir des relations intimes avec elle. Voyez un peu, leur père. Et elle me disait que j'étais la première personne à qui, n'est-ce pas, elles ont pu confesser cette chose. Ouais, elles ont vécu ces choses-là, n'est-ce pas, pendant près de 5 ans. Chaque fin du mois, c'était ainsi. C'est des choses, elles vivaient, n'est-ce pas, cette pratique horrible, n'est-ce pas, venant de leur propre père qui leur avait mis au monde. Ouais, un peu. C'est des choses horribles. Ouais, on vit dans un monde terrible, un monde où, frère, le péché bat son comble, où les gens sont devenus complètement fous à cause du péché. Vous voyez, un père qui abuse de ses enfants, chaque fin du mois, pourquoi, mais pas, parce que derrière, n'est-ce pas, ces pratiques-là, mes frères, il y a une vérité cachée. Il y a une vérité cachée. Il y en a qui ont signé des pactes avec l'occultisme. Et les pactes que ces gens-là ont signés, n'est-ce pas, on leur demande de certaines pratiques. Et beaucoup, n'est-ce pas, sont victimes de ces pratiques-là. Mais ces personnes qui sont victimes n'arrivent pas à parler. C'est des gens qui sont muselés. Pourquoi? Parce qu'on les a intimidés. Il y a d'autres aussi, n'est-ce pas, parce que les gens sont à la recherche du gain, la pas du gain, la soif de l'argent. Alors, cachent, n'est-ce pas, certaines choses, n'est-ce pas, qu'elles ont subies. Or, ces choses-là, n'est-ce pas, frère, entretiennent des démons. Alors, les gens viennent dans les assemblées, ils veulent la délivrance, mais comment on va vous délivrer? Mais on ne peut pas te délivrer si tant que toi-même, n'est-ce pas, tu n'arrives pas à ouvrir ton cœur et à confesser réellement ce qui est enfoui dans ton cœur. Oui, il y en a, n'est-ce pas, qui ont pour homme, voyez un peu, qui partagent leur intimité avec leur père. C'est des choses qui sont fréquentes, qui sont récurrentes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui vivent ainsi. Des pères qui vont avec des enfants et c'est des péchés qui sont cachés. Et il y a même des pères, n'est-ce pas, qui font des enfants avec leurs propres enfants. Frère, on vit dans un monde où c'est le chaos, le péché, n'est-ce pas, est en train de gagner les vies, où le péché domine, le péché règne. Ouais, et c'est des choses qui sont enfouies dans les cœurs. Et ces personnes-là, n'est-ce pas, alors c'est normal que beaucoup aujourd'hui sont malades. C'est normal aujourd'hui que beaucoup se retrouvent, n'est-ce pas, avec des maladies incurables. Mais parce que derrière ces maladies-là, parfois, la conséquence, c'est quoi? Mais c'est des démons. Parce que c'est des gens qui ont subi des choses et ces personnes-là ont du mal, n'est-ce pas, à confesser, à dénoncer ces pratiques. Et en restant, n'est-ce pas, ainsi, mais tu ne te rends pas compte que tu vas encore exposer d'autres personnes. Parce que de tels comportements, frère, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Oui, dénoncer pourquoi? Parce que, frère, les ténèbres n'aiment pas la lumière. Vous savez, quand quelque chose est mis en lumière, frère, les ténèbres finissent par se dissiper. Et à chaque fois, frère, que nous cachons de telles pratiques, c'est que quelque part aussi, nous les encourageons. Alors, cette jeune fille-là me disait que le père avait commencé par elle. Et ensuite, frère, sœur, il a poursuivi avec la deuxième, la cadette, qui était tout simple, qui était âgée de 15 ans. Et la grande avait 19, 20 ans, 20 ans, je crois 20 ans par là, à l'époque. Vous voyez, ça veut dire qu'elles étaient traumatisées, mais elles ne pouvaient pas parler. Et c'était étonnant, quand on leur prêchait l'évangile, elles étaient tellement renfermées qu'elles avaient même du mal à poser des questions, elles avaient même du mal à vous répondre. Vous savez, il y en a, l'évangile est prêché, mais quand tu regardes comme ça, là, tu as comme l'impression que c'est des personnes qui ont envie de parler, mais elles ont du mal à s'ouvrir. Elles ont du mal à s'ouvrir. Vous voyez, quoique, n'est-ce pas, elles sentent la parole du Seigneur pénétrer leur cœur, mais elles ont du mal à s'ouvrir. Pourquoi? Parce que, vous voyez, il y a des choses qui sont enfouies dans les cœurs. Il y a des choses, n'est-ce pas, on leur a tellement, n'est-ce pas, influencé, intimidé, elles ne peuvent pas parler. Elles subissent des traumatismes et les traumatismes les contrôlent. Elles deviennent tout simplement, n'est-ce pas, esclaves. Et derrière, n'est-ce pas, ces pratiques-là, frère, mais les démons s'installent. Et les démons, n'est-ce pas, viennent les avilir. Les démons viennent les contrôler. Et la conséquence, c'est quoi? C'est des maladies. La conséquence, c'est des douleurs. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas le sommeil. Pourquoi? Parce qu'il y a des péchés qui sont enfuis dans nos cœurs qu'on a du mal à exposer. Vous voyez, on vit dans un monde comme ça. Un monde où, frère, le péché, ce qui est mal est appelé bien, et ce qui est bien est appelé mal. Ouais, un peu, c'est la confusion. La confusion totale. Des femmes mariées, voyez un peu, Yoshua va dire une génération pécheresse et adultère, voyez un peu, des femmes mariées, des hommes mariés, n'est-ce pas, qui entretiennent des deuxième et troisième bureaux, voyez un peu, qui trompent leurs femmes, qui trompent leurs maris. Vous voyez, ça là, frère, c'est des choses qui sont
adulés. C'est des choses qu'on vit au quotidien. Ça devient comme une nourriture. Les gens se plaisent à l'intérieur. Les gens pratiquent ces choses. Quand bien même, n'est-ce pas, ces personnes-là peuvent fréquenter des assemblées. Un peu. Les assemblées aujourd'hui, n'est-ce pas, sont devenues des lieux où on va essayer d'apaiser notre conscience qui est tellement souillée par le péché. En allant en assemblée, en écoutant l'évangile, on essaye un peu, frère, de nous alléger parce que on est tellement alourdi parce que le péché nous tient assujettis. Vous voyez? La parole du Seigneur ne vient pas pour nous alléger. Le Seigneur veut nous libérer complètement. Le Seigneur veut nous libérer. Ouais. On a préparé, n'est-ce pas, par rapport à l'enseignement de ce soir, on a préparé un documentaire, n'est-ce pas, un document autant pour moi, n'est-ce pas, qu'ensemble les frères vont nous mettre sur l'écran, une histoire, n'est-ce pas, qu'un monsieur a vécu une histoire atroce. Frère, en lisant cette histoire-là ensemble, nous allons nous rendre combien de fois réellement ce que la parole de Yahweh nous dit est vrai, que le cœur de l'homme est un abîme, que le cœur de l'homme, n'est-ce pas, est méchant. Le cœur de l'homme est méchant, qui peut le connaître? Vous voyez? C'est terrible de voir comment, n'est-ce pas, l'être humain va prendre plaisir au mal. Ouais, c'est une histoire réelle. C'est que ça veut dire que les gens, n'est-ce pas, pêchent aujourd'hui, non pas parce que c'est forcément, ils sont dans le besoin, non. Mais c'est parce qu'en fait, le péché est devenu un état d'esprit. Le péché est devenu une nature humaine. Ça veut dire quelque chose que l'homme adule, quelque chose que l'homme aime. Vous voyez, si les frères de la régie peuvent nous mettre ce document sur l'écran, un peu. Voilà, la Bible dit, pas la Bible, excusez-moi, voilà, voici cette histoire-là. Voilà, il apprend qu'il n'est pas le père de ses trois enfants et il réalise ce qu'a fait sa femme. Vous voyez, il était légalement marié, n'est-ce pas, avec sa femme, un peu. La Bible dit, pas la Bible, excusez-moi, ouais, on est tellement habitué à dire la Bible. Ouais. Un père dévoué à sa famille, il était dévoué à sa famille, donc c'était quelqu'un, n'est-ce pas, qui accordait assez de temps, n'est-ce pas, à sa famille. La vie du célèbre homme d'affaires, Richard Mason, âgé de 55 ans, a vu sa vie s'écrouler quand il a appris qu'il n'était pas le père de ses trois fils. Et quand un docteur lui a dévoilé qu'il ne pouvait avoir d'enfant naturellement. Malheureusement, Mason allait connaître la vérité et réaliserait que sa vie n'aurait été que mensonge. Mais à présent, qu'il connaissait la vérité, que fera-t-il? Il avait envie de vengeance. Vous voyez? Il s'était rendu compte que toute sa vie n'était que mensonge. Mais mensonge de qui? Mais venant de sa propre femme. Sa femme avec qui il vivait. Vous voyez? Là, ce n'était pas une question de pauvreté. Frère, vous pouvez toujours garder le document sur l'écran. Ouais, ce n'était pas une question de pauvreté. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui disent que s'il y a des actes que nous posons, mais c'est parce que nous sommes pauvres, c'est parce que nous voulons manger et boire. Non, ce n'est pas, le plus souvent, ce n'est pas ça. Ce n'est pas toujours le cas. Ici, c'est un homme qui était riche. La Bible dit que c'était un million, pas la Bible, l'histoire nous dit que c'était un millionnaire. Vous voyez un peu? Mais malgré les millions qu'il avait, n'est-ce pas, sa femme trouvait quand même, a trouvé le moyen, n'est-ce pas, de fomenter un mensonge. Afin de détruire le cœur de son mari. Voyez un peu ça, ça révèle l'état de cœur, la méchanceté de l'homme. Et par la suite, Richard Mason, millionnaire britannique dans la cinquantaine, devrait donner envie à beaucoup de gens. Il était très riche et avait trois enfants, tous ces garçons qu'il aimait autant que n'importe quel parent. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Et ça c'est vrai, les apparences sont vraiment trompeuses. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne que de ne pas nous confier aux hommes. Parce que les hommes peuvent nous montrer, n'est-ce pas, des choses apparentes. Vous voyez un peu? Ouais. Voilà, peuvent nous montrer, n'est-ce pas, des choses qui sont, peuvent nous montrer, n'est-ce pas, une image fausse. Mais alors que réellement ce n'est pas l'état réel de leur cœur. Vous voyez? Donc, ici, c'est l'histoire de quelqu'un qui était marié, mais qui vivait une situation assez compliquée parce que derrière la vie qu'il menait, n'est-ce pas, avec son épouse, il y avait un mensonge, mais qui était bien fomenté par sa femme. Vous voyez un peu? La Bible nous a dit tout à l'heure là, que Rachel était assise sur le téraphime de son père. Vous voyez, il y en a qui sont assis, n'est-ce pas, sur des mensonges qui sont enfouis dans leur cœur. On va continuer. Durant cette époque, là, Richard était marié avec Kate et ils se sont rencontrés dans les années 80 quand ils travaillaient dans une banque ensemble.
Ils ont eu leurs trois fils. En tout cas, ce que Richard croyait. On continue. Le fils aîné du couple s'appelait Will et il était âgé de 23 ans. Le couple a également des jumeaux du nom d'Ed et de Joël. Et ils ont 19 ans. Mais début 2007, la relation de Richard et Kate était de plus en plus compliquée. Oui, la relation était compliquée. Évidemment, pourquoi? Mais c'est parce qu'il y avait le mensonge derrière. Vous savez, quand les choses deviennent assez compliquées, parfois dans des relations, frère, c'est parce que quelque part, il y a déjà le feu étranger qui s'est introduit. Richard et Kate se sont donc séparés et ont divorcé en début d'année 2008, malheureusement. Vous voyez? Et certainement, vous allez voir que dans la méchanceté du cœur de l'homme, vous voyez, cette femme-là a dû même expliquer certainement à d'autres personnes là que si elle a quitté son mari, c'était parce que quelque part son mari était méchant, vous voyez? Mais ne sachant pas que c'est elle-même, n'est-ce pas, qui menait une vie qui était anormale, qui menait une double vie. On continue. Richard ne regretterait pas ce mariage, même s'il n'avait pas fonctionné parce qu'il adorait ses fils plus que tout. Richard s'assurait de subvenir aux besoins de ses fils, même après sa séparation avec Kate. Vous voyez, dans le règlement financier, vous voyez, après la séparation, bien sûr, dans le règlement financier de Kate, le montant de 5 millions de dollars comprenait aussi des frais de scolarité pour leurs trois enfants. Mais Richard a dit que même avec ça, Kate m'a poursuivi pendant des années et essayé de me faire payer plus. Vous voyez, ça veut dire qu'après la séparation de cette femme-là, n'est-ce pas, avec cet homme, avec son mari, vous voyez, on a donné, n'est-ce pas, on dit 5 millions de dollars. Et comprenons aussi, n'est-ce pas, les frais de scolarité des enfants. Malgré tout l'argent qu'elle a reçu là, elle a voulu chercher encore à avoir plus. Vous voyez comment la méchanceté... Alors qu'elle savait que, en fait, le fond, n'est-ce pas, cet homme n'était pas le père géniteur de ses trois enfants. Frère, c'est que toute la relation qu'elle a vue, n'est-ce pas, avec cet homme-là, il n'était basé que sur le mensonge. Elle mentait. Et comment est-ce qu'elle faisait, n'est-ce pas, pour fermer les yeux, pour dormir à côté de son mari? Vous voyez, comment ça? Comment? Vous voyez combien de fois l'être humain est méchant? Ouais, pour lui, leurs fils sont les seules choses bonnes. Ouais, pour lui, leurs fils sont les seules choses bonnes, choses à être sorties de leur mariage, selon lui. Leur mariage était froid et sans joie, voilà. Mais il ne savait pas qu'une terrible nouvelle qui bouleverserait sa vie l'attendait. Ouais, l'histoire dit que leur mariage était froid. C'est normal. C'était froid. Sans joie. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette femme-là, n'est-ce pas, n'était pas sincère dans son mariage. Repartons en arrière jusqu'en 2016. Période où Richard était déjà séparé depuis 10 ans de Kate, tant il a découvert la terrible vérité sur sa vie. Un jour, Richard s'est réveillé. Et sans le savoir, se préparait à son rendez-vous chez le médecin qui changerait tout son monde. Il ne savait pas que sa vie allait changer tout à coup. Le rendez-vous de Richard devait être un rendez-vous standard avec son médecin. Il ne savait pas que ce ne serait pas aussi standard que d'habitude. Après avoir effectué quelques tests, Richard ne s'attendait pas à voir son univers chamboulé. Une partie du problème était qu'il souffrait de fibrose kystique, tout comme sa sœur aînée qui était morte de cette même maladie et dont sa sœur cadette était très malade. Mais la mauvaise nouvelle ne s'est pas stoppée à ce moment-là. Richard, qui connaissait très bien cette maladie, avait besoin de peu d'explications de la part du médecin. Il avait vers 1980 subi des tests génétiques qui lui avaient éloigné le risque de développer cette maladie. Pour ceux qui connaissent pas bien cette maladie, la mucoviscidose est une maladie génétique qui touche à peu près 70 000 personnes, tant pour moi, dans le monde, et pour laquelle il n'existe pas de traitement. La fibrose kystique
provoque des infections pulmonaires persistantes et qui endommage les poumons sur le long terme et diminue leur capacité. La respiration devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que le temps passe, que le temps avance. Ouais. Après avoir consulté plusieurs autres professionnels du domaine médical, la prise de conscience commençait à se faire sentir chez Richard. Il était malade de la mucoviscidose, ce qui voulait dire qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Richard dit de ne pas avoir pleuré à cet instant-là. Vous voyez, il était certainement dans le choc. Il ne pouvait, parfois, il y a des chocs lorsque ces chocs-là nous percutent au cœur. Parfois, on n'arrive même pas à pleurer. Vous voyez, mais il dit avoir été sous le choc. Mais ma vie est ruinée, a-t-il pensé. Mais il devait d'abord être sûr avant d'aller plus loin. Le médecin lui a affirmé qu'il ne pouvait pas transmettre la maladie à ses fils. Et à ce moment-là, Richard a senti un grand soulagement l'envahir. Mais ce soulagement fut bref. Richard n'avait pas attendu que le médecin termine son explication. Richard se rappelle du moment où sa vie a vacillé, quand la discussion s'est ensuite tournée vers la fertilité, et le médecin a dit, écoutez, vous et Emma, vous savez, vous aurez du mal à avoir des enfants parce que vous êtes, en tant qu'homme, avec fibrose kystique stérile. Mais ça ne pouvait pas être la vérité. Richard n'arrivait pas à y croire, mais il n'avait pas entièrement perdu espoir. Peut-être était-ce un miracle médical ou peut-être que le diagnostic était mauvais. Eh bien, votre diagnostic doit être erroné parce que j'ai déjà 3 fils, a déclaré Richard au médecin avec fierté. J'étais vraiment content de lui dire ça parce que dans mon esprit, cela était la preuve que le diagnostic était mauvais. Ah, Seigneur, vous voyez, quand on est dans le mensonge, vous voyez, puis parfois on prend des positions sans pourtant se rendre compte que nous sommes en train de passer à côté. Vous voyez, se rappelle-t-il. Mais le médecin, gêné et absourdi, secouer strictement la tête, il doit avoir faux, pensait-il. Il avait déjà eu 3 garçons, dont une paire de jumeaux, et tout ça sans aide médicale. Dans mon esprit, se disait-il, cela prouvait que le diagnostic était mauvais et que donc je n'étais pas atteint de la maladie qui avait tué ma sœur. S'était-il passé eu un scandale dans sa propre vie? Si c'était le cas, il avait été trop aveugle pour voir quoi que ce soit. Il faut dire qu'il travaillait et rentrait tard. La plupart du temps, il n'avait pas été surpris quand Kate l'avait appelé pendant la nuit de Londres pour lui dire que son vol avait pris du retard. Vous voyez un peu, sa femme voyageait en disant à son mari que je voyage, n'est-ce pas, pour travailler ainsi de suite. Et par la suite, elle appelait son mari pour dire que non, en fait, mon vol va prendre du retard. Vous voyez un peu, vous voyez, quand on vit dans le mensonge, c'est comme ça. Et le mari ne se rendait pas compte, parce que c'était dans son cœur, il était pur. Richard ressentait un profond dégoût. C'était censé être un voyage pour le travail, avait-elle dit. Mais il y avait plusieurs autres détails auxquels Richard n'avait vraiment pas pensé, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. On continue. Quand ces 2 jumeaux sont nés, les gens se sont évidemment mis à parler, mais Richard commençait à se rappeler de certaines phrases. « Oh, regarde, ils ont tes yeux, Kate. Il se rendit compte que quelque chose n'allait pas. » C'est pile après que Kate ait découvert qu'elle était enceinte de leur premier enfant, qu'elle a manifesté l'intérêt pour une chose qu'elle n'avait jamais parlé pendant leurs 7 ans de mariage. Vous voyez? Donc,
après, n'est-ce pas, qu'elle soit en grossesse, elle va inventer une histoire, n'est-ce pas, qu'elle n'avait pas pour habitude de parler, n'est-ce pas, pendant 7 ans de mariage. C'était la première fois que Kate était enceinte. Elle a lu beaucoup de livres qui parlaient de maternité et allait faire des cours d'accouchement. Mais ce fut une surprise pour Richard quand sa femme s'est soudainement intéressée au judaïsme. Ils avaient tous les deux reçu une éducation chrétienne. Kate a même donné des prénoms juifs à leurs 3 enfants et n'a pas voulu les baptiser. Elle avait aussi été demandée conseil à un rabbin. Peut-être que tout ça était aperçu de la double vie que Kate menait de son côté. Et cet indice guidait peut-être vers l'homme qu'elle avait fréquenté en cachette. Richard s'est mis à penser à trois indices se présentaient à lui pour découvrir la vérité. Vous voyez, moi c'est une histoire qui me choque tellement. Vous voyez, voici quelqu'un, n'est-ce pas, qui a été berné, n'est-ce pas, par sa femme. Vous voyez, ça c'est une histoire, n'est-ce pas, qu'on peut retourner à internet. Vous voyez, on parle de la vie du milliardaire maçon. Vous pouvez aller, n'est-ce pas, pour lire la suite. Vous voyez un peu, voici quelqu'un, n'est-ce pas, qui a été trompé par sa femme. Oui, là, ce n'était pas une question. Ça veut dire que la femme ici n'avait pas devant elle quelqu'un qui était pauvre. Non, le monsieur était riche. Mais qu'est-ce qui a pu bien pousser la femme, n'est-ce pas, à aller tromper son mari et jusqu'à faire 3 enfants et venir attribuer ces 3 enfants-là, n'est-ce pas, à ce monsieur, ouais, à son époux. Oui, et comment est-ce qu'elle faisait, n'est-ce pas, pour dormir la nuit à côté de son mari, sachant qu'elle se comportait ainsi. Vous voyez combien de fois, n'est-ce pas, le cœur de l'homme est méchant. Et c'est des choses, n'est-ce pas, que beaucoup vivent. Vous voyez un peu, des gens, n'est-ce pas, qui entretiennent des relations avec leur chef au travail, avec leurs collègues. Et beaucoup, n'est-ce pas, des grossesses aussi que les femmes mariées amènent ne sont pas forcément, n'est-ce pas, des enfants qu'elles ont eus avec leur mari à la maison. Mais c'est des choses qui sont cachées dans les cœurs. Vous voyez un peu, ça peut être l'homme ou ça peut aussi être la femme. Un peu, ouais, ça concerne les deux cas en quelque sorte. Voyez, les hommes aussi, n'est-ce pas, qui trompent leurs femmes et qui font des enfants dehors, mais qui ne disent pas la vérité à leurs femmes qui sont à la maison. Voyez un peu, on vit dans un monde où le péché bat son comble, où des choses horribles se passent. Les choses comme ça sont cachées dans les cœurs. Et c'est des personnes à la longue que tu vois, on va parfois même se rendre compte que c'est des gens qui fréquentent les assemblées, ouais, qui se font appeler chrétiens. Mais quand on est chrétien, quand on a Yeshua en nous, on ne peut pas se comporter ainsi, frère. Et beaucoup de vies, beaucoup de foyers sont cassés, sont détruits. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des mensonges qui sont enfuis dans le cœur. Et là où il y a le mensonge, frère, les ténèbres règnent. Et là où les ténèbres règnent, c'est normal que le diable réclame. C'est normal que le diable apporte le trouble. C'est normal que le diable, n'est-ce pas, apporte. Non, c'est normal qu'il n'y ait pas la paix. Parce que le diable, n'est-ce pas, va se servir de ce péché qui est caché dans ton cœur, que tu as du mal à confesser, à exposer, n'est-ce pas, pour continuer à troubler ton foyer, pour continuer à troubler ta vie. Il n'y a rien de caché qui ne soit révélé. La Bible dit que le Seigneur va amener tout en lumière, frère. Si tu t'es rendu compte que dans ton cœur, n'est-ce pas, il y a des choses qui sont enfouies, tu as été certainement victime d'un viol venant d'un membre de ta famille. Vous voyez, il y en a, n'est-ce pas, qui sont abusés par les membres de leur famille. Et c'est des choses qui sont cachées. Frère, en cachant de telles choses, ça ne va que faire qu'empirer des choses. Un mensonge ne pourra jamais apporter la paix dans une vie ou dans une famille. Ça va semer le trouble. On doit dénoncer ces choses. Nous devons les confesser. Nous devons les exposer. Afin que Yeshua, n'est-ce pas, vienne non seulement réparer le cœur et restaurer, n'est-ce pas, le fondement familial. Ou un peu, restaurer, n'est-ce pas, la souche familiale. Parce que la souche familiale, elle est détruite à cause des choses qui sont enfouies dans les cœurs. Les péchés cachés les cœurs. Oui, l'inceste dans les familles. Oui. Des oncles qui abusent de leur. Qui font des abus, des attouchements sur l'envie de leur nièce. Des pères qui vont avec les enfants. Des grands frères qui violent leurs petites sœurs. Ouais, des femmes qui entretiennent des relations avec les responsables. Ouais, leurs responsables dans le lieu de travail. Ouais, un peu. Ouais, ouais. C'est un monde chaotique. Un monde qui est complètement, n'est-ce pas, détruit par le chaos. Et ces choses, n'est-ce pas, sont enfouies. Alors voilà pourquoi, frère, il y a autant de malades. Il y a autant de possédés. Oui, les gens sont malades parce que, voyez un peu, des pratiques horribles, voyez un peu, des gens qui vont, des femmes qui vont avec des pasteurs qui leur font des bains, des pasteurs qui leur prennent de l'huile d'olive, n'est-ce pas, et qui leur frottent ça partout dans le corps, après ça finit, n'est-ce pas, par les attouchements, des choses compliquées, des choses abominables, frère.
voyez, des pratiques horribles. Voyez, des femmes qui vont consulter, n'est-ce pas, des ngangas et des ngangas parce que ces femmes n'enfantent pas, les ngangas ou les soi-disant pasteurs, vous voyez un peu, qui portent des titres de pasteurs, mais en fait, ce sont des ngangas, vous voyez, qui finissent par leur dire que si tu veux enfanter, alors tu as besoin d'aller avec moi afin que je libère ma semence sur toi et c'est ma semence-là qui va libérer tes trompes. Vous voyez, ça, c'est des pratiques qui sont monnaie courante dans nos sociétés. C'est des choses que les gens vivent, mais ces choses-là sont enfouies. Vous voyez, je me rappelle d'une femme ici à Port-Gentil qui est allée consulter un prophète. Et ce prophète, n'est-ce pas, lui aurait dit d'acheter une bouteille d'huile d'olive, vous un peu, et de chercher un tissu rouge qu'elle allait, après la délivrance, qu'elle allait attacher autour des reins et couper un morceau, mettre ses parties intimes, mettre ce morceau dans ses parties intimes. Et ensuite, quelques temps plus tard, aller retourner chez le prophète, là, n'est-ce pas, et c'est le prophète, là, n'est-ce pas, qui allait enlever, n'est-ce pas, ce tissu-là qu'elle aurait mis, n'est-ce pas, dans ses parties intimes, afin que cette délivrance soit complète et totale. Vous voyez un peu, ça, c'est des pratiques abominables. C'est des choses qui se font dans plusieurs assemblées, qui se passent dans beaucoup de familles. Vous voyez un peu, des choses comme ça, là, frère. Des gens vivent avec de tels fardeaux. Ça ne nous aide pas. Et tant, n'est-ce pas, en vivant avec de telles choses dans nos cœurs, même si nous fréquentons les assemblées, même si nous payons des dîmes, même si nous donnons autant d'offrandes, frère, si Yoshua vient, on ne pourra pas partir. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de nous libérer de tels fardeaux. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de nous repentir, de confesser des péchés, de libérer nos cœurs et de laisser la parole de Yoshua pénétrer nos cœurs afin d'apporter la lumière. On vit dans un monde où même l'homosexualité, frère, vous voyez un peu, aujourd'hui on va dépénaliser l'homosexualité, mais demain on va dépénaliser le viol, on va aussi bientôt dépénaliser le vol, vous voyez, ça veut dire le péché est normalisé, les gens prennent plaisir, n'est-ce pas, à vivre, n'est-ce pas, dans des choses abominables. Vous savez, derrière toutes ces choses, n'est-ce pas, qui se font, frère, il y a un langage voilé, il y a un langage subtil. Ça veut dire que les lois qui sont votées, des pratiques aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'on n'admettait pas hier, mais qui sont admises aujourd'hui, n'est-ce pas, ces choses-là, n'est-ce pas, nous amènent quelque part. Le monde est en train de se diriger quelque part. Nous allons quelque part, frère, que tu le veuilles ou pas. Tu dois comprendre une chose, que Yoshua a dit que les temps seront de plus en plus difficiles, les temps de la fin. Et Yoshua a dit que le monde, n'est-ce pas, va connaître ce qu'on appelle le paroxysme du péché. Le paroxysme du péché. Et que l'homme impie doit venir rien sur cette terre. Ça veut dire que tout ce que nous voyons là, la dépénalisation des choses abominables, ainsi de suite, ce n'est rien d'autre qu'un langage voilé qui nous prépare, n'est-ce pas, à l'arrivée de l'homme impie. Satan dans un corps humain. Satan qui va s'incarner dans un corps humain et il va se présenter comme étant le sauveur du monde. Vous voyez un peu? Et, oui. Et avant que, n'est-ce pas, Satan ne se manifeste dans un corps humain, n'est-ce pas, cet homme impie n'arrive, n'est-ce pas, et venir faire cette proposition à l'humanité, Yoshua va enlever son église. Et l'église, comme nous le savons tous, ce n'est ni un lieu ni un bâtiment, c'est toi et moi. Tous ceux qui ont reçu Yoshua comme si un receveur et qui marchent dans la sanctification, Yoshua, n'est-ce pas, va nous prendre. Parce que toutes ces choses-là, n'est-ce pas, vont précéder, n'est-ce pas, la colère de Yahweh qui va s'abattre. Vous voyez, il y a la colère de Yahweh qui doit s'abattre sur l'humanité à cause du péché. Et toi qui dis que tu es enfant d'Elohim, alors tu continues à garder de telles choses dans ton cœur. Toi qui veux suivre le Seigneur, comment peux-tu continuer à garder dans ton cœur des choses assez horribles? Tu sais que ton père va avec toi et tu as du mal, n'est-ce pas, à le dire à ta mère. Vous voyez un peu, il y a même une histoire où un monsieur, n'est-ce pas, qui avait épousé une femme et la femme est venue avec sa fille en mariage. Alors, pendant que la femme était au travail, le monsieur passait du temps, n'est-ce pas, avec la femme, avec la fille de cette femme. Alors, jusqu'à ce qu'il enceinte la jeune fille. Vous voyez? Et vous savez? Et il va dire à la jeune fille, n'est-ce pas, de dire à sa mère que non, c'est un gars du quartier, c'est le gars du quartier, mais le gars du quartier, là, c'est qui? Vous voyez un peu? On vit dans un monde péché, un monde impie. Un monde où des parents, n'est-ce pas, n'ont plus le contrôle dans la vie de leurs enfants. Les enfants sont dehors à des heures impossibles. Et lorsque des gens qui sont aussi esclaves, n'est-ce pas, touchés par le péché de l'impudicité, alors voient des jeunes filles à des heures impossibles dehors, alors ils font la cour, ils vont avec.
Les parents profitent, n'est-ce pas, de cette situation-là, n'est-ce pas, pour aller parler, aller porter plainte. Pourquoi? Parce que au tribunal on a un parent, ou bien parce que à la police on a un parent. Voyez un peu. Et on va accuser, n'est-ce pas, ce gars-là aussi qui est aussi, n'est-ce pas, touché par ce péché-là, hein, n'est-ce pas, d'avoir violé leur fille. Parce que derrière ça, on veut avoir de l'argent. Voyez, on veut avoir de l'argent. Des enfants, des mineurs, de 15 ans, 13 ans qui sont dehors. Mais parfois, même ces mineurs-là ne sont même plus des mineurs, c'est des enfants qu'on a rectifié l'âge. Mais parce qu'on veut rectifier, on veut gagner de l'argent, voyez un peu, on fomente une histoire parce qu'on a un parent qui est bien positionné, hein, soit au tribunal ou bien dans, ou à la police ou ainsi de suite. Voyez un peu, on fomente toute une histoire, n'est-ce pas? Et on prend quelqu'un, on dit non, voilà, tu as violé, tu es allé avec une mineure, allez, tu dois aller en prison et tu dois payer tel montant. Voyez, on vit dans un monde de malades, un monde d'injustice, un monde où l'être humain est capable de tout à cause de l'argent. L'être humain est capable de tout. Tout. Ouais. Et de telles pratiques, frères, peuvent passer inaperçues aux yeux des hommes. Mais devant Adonai, la Bible dit que c'est lui qui sonde les reins et les cœurs. Personne n'y échappera. Alors voilà pourquoi, frères et sœurs, nous avons besoin de nous repentir. Nous avons besoin réellement, n'est-ce pas, de renoncer au péché. De laisser le Seigneur, n'est-ce pas, dépouiller nos cœurs. De nous repentir. Si tu sais que dans ton cœur, il y a un acte que tu as posé qui n'est pas bien, va. Va, parle à ton mari. Si tu as commis adultère, va, parle à ton mari. Le pasteur n'est pas Dieu. Voyez, même si tu t'es repenti dans la présence avec le Seigneur, mais écoute, mais tu vis avec un homme, n'est-ce pas, qui était affecté par l'acte que tu as posé. Mais il faut aussi que son cœur aussi soit rassuré. Alors tu dois aussi dire la vérité à ton mari ou à ta femme. Voyez un peu, il y a des gens qui vivent avec des choses. Je vois une femme qui m'avait dit non, si je m'en vais lui dire, ah, il va réagir comment? Mais tu n'as pas réalisé qu'avant d'aller poser l'acte que tu posais là, ça allait te coûter cher. Voyez un peu, les actes que nous posons ont des conséquences et nous devons les assumer. Alors voilà pourquoi, n'est-ce pas, le Seigneur ne veut pas nous voir dans cette situation. Il nous dit de nous abstenir de l'impudicité, de l'adultère, des avortements. Vous voyez, il y en a qui ont eu des enfants avec des femmes, mais tu as nié ces enfants. Tu as nié. Et maintenant que tu te dis chrétien aujourd'hui, tu continues à parler en langue, tu continues à prophétiser. Tu penses que tu vas devenir, tu deviens un grand prédicateur, un chrétien qui se prépare, n'est-ce pas, pour le ciel. Mais ces enfants-là qui croupissent, qui gémissent, ces enfants que tu as régnés là, mais il faut d'abord aller les reconnaître, il faut les réparer. Parce que ces jeunes filles, ces femmes-là qui ont élevé ces enfants-là seules, mais le Seigneur aussi entend leurs cris. Ouais, les gens vivent dans le péché. Ouais, dans nos familles, n'en parlons plus. L'inceste est toléré. Des oncles qui font des enfants avec des nièces, des frères, des papas qui font des enfants. Vous voyez, c'est compliqué, c'est le bazar. Le péché est terrible. Le péché sévit terriblement, n'est-ce pas, dans ces temps de la fin. Alors, on a besoin, n'est-ce pas, de nous repentir. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et on va terminer avec Ecclésiaste chapitre 12. Voilà. Jeune homme, réjouis-toi, n'est-ce pas, pendant les jours de ta jeunesse. On va le lire. Ecclésiaste chapitre 12, à partir du verset 1. Ecclésiaste 12, verset 1. Nous allons terminer par là. Jeune homme, réjouis-toi pendant ton jeune âge et que ton cœur te rende joyeux pendant les jours de ta jeunesse. Marche comme ton cœur te mène et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour toutes ces choses, Elohim t'amènera en jugement. Tu peux enlever jeune homme, tu mets homme âgé. Vois un peu? Alors, donc, il ne s'agit pas seulement que des jeunes hommes. Ça veut dire que le Seigneur, n'est-ce pas, veut parler à tout le monde. Au verset 2, ôte le chagrin de ton cœur, éloigne de toi le mal, car la noiseur et la jeunesse ne sont que vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent et que viennent les années où tu diras, je ne prends aucun plaisir. Vous voyez, la Bible nous dit que souviens-toi, n'est-ce pas, marche, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, pendant la grâce que le Seigneur t'accorde sur terre, le Seigneur t'accorde le souffle de vie. Il fait tout ce que tu veux, agis comme tu veux, agis, pose des actes comme tu veux. Vois un peu, sers-toi de ton argent, sers-toi de ton autorité pour poser des actes ignobles. Quoi que personne ne te voit, mais sache
un jour que si tu ne te repens pas, tu te retrouveras devant ton Créateur et ton Créateur t'amènera en jugement. Le Seigneur te jugera par rapport aux actes que tu as posés. La Bible dit que tout acte qu'on a posé, n'est-ce pas, le Seigneur nous demandera des comptes. Alors tout ce qui est enfui, le Seigneur mettra ça en évidence ce grand jour. Alors voilà pourquoi, n'est-ce pas, le Seigneur permet ce soir que tu puisses écouter, n'est-ce pas, cet enseignement. C'est parce que le Seigneur veut t'attirer à lui. C'est parce que le Seigneur veut t'amener à la repentance. Frères et sœurs, Yoshua revient bientôt. Le but du Seigneur, n'est-ce pas, c'est que chaque personne parvienne à la conscience de la vérité. La conscience de la vérité c'est qui? Ce n'est rien d'autre que la personne de Yoshua. Renonce au péché, ouvre ton cœur, libère ton cœur. Toi qui es atteint du sida, arrête d'aller homme après homme pour propager le sida, en disant que non, moi aussi on m'a donné, moi aussi en retour je vous ai aussi donné. En agissant ainsi, c'est le diable qui te pousse à agir ainsi. Arrête, tu sais que tu es affecté par le sida. Personne ne t'a envoyé aller pratiquer l'impudicité. Tu l'as fait et tu as été touché par le sida. Repends-toi, repends-toi. Le Seigneur est capable de te guérir. Et même si tu meurs avec le sida et que tu as accepté Yoshua, tu es sauvé. Mais arrête, n'est-ce pas, de te venger en propageant la maladie partout. Vous savez, il y a beaucoup qui agissent ainsi. En se comportant ainsi, frère, sœur, tu te mets une double condamnation dans ta vie. Le Seigneur te voit. Ouais, parce que c'est le temps, n'est-ce pas, de revenir en nous-mêmes, le temps de nous repentir et demander pardon à Adonai. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que Yahweh nous garde tous et nous préserve de tous les pièges que l'ennemi met devant nous. Au nom de Yoshua, Amen. Shalom, paix et grâce.